Bravo. Merci. Alors, Jessica. Oh, appelez-moi Jess. Oh, Jess, c'est noté. Vous allez vous produire sur cette scène pour le réveillon de Noël en tant que violoniste invitée. C'est exact. C'est un immense honneur pour moi d'être ici aujourd'hui. De jouer sous la direction de Lena Huber. J'ai l'impression de vivre un rêve éveillé. La musique, c'est toute votre vie? Oui, ça a été le cas jusque-là. En fait, c'est difficile pour moi de décrire ce que la musique représente à mes yeux. C'est ce qui me permet de vivre dans l'univers magique que je me suis inventé et qui existe au-delà de ma réalité. Vous avez prévu de rester 2 semaines entières à Vienne. Quel est votre programme? J'en profite pour prendre des vacances, alors je vais découvrir la ville, surtout sa gastronomie. Et puis ma colocataire de l'université habite ici, oh. Alors dès qu'on a terminé, je la rejoins au Christkindlmarkt. Mais c'est ça, vous avez un très bon accent. Vous avez choisi la meilleure période pour séjourner ici. Il n'y a pas de plus beau Noël qu'un Noël passé à Vienne. Je n'en doute pas une seconde. Cette cadeau qu'on emballait. J'espère que ça ne vous pose pas de problème. Bonjour. Vous ne sauriez pas jusqu'à quelle heure ce musée est ouvert? Non, je ne sais pas. Non. Désolée. Tant pis, c'est pas grave. Joyeux Noël. Ah. Oh, c'est trop mignon ce que tu fais. Là. Surprise. Salut, Marc. Bonjour, Vincent. Qu'est-ce que vous faites ici? Je croyais que t'avais un brunch avec la délégation. C'est le cas, mais comment passer dans le quartier? Je me suis dit qu'on pouvait vous faire un petit coucou et vous apporter des... Linsenstanger. C'est ça. C'est de la part de ma mère. Elle tient un stand de pâtisserie à côté. Oui, on sait, on s'y est déjà arrêté. Deux fois? Oh, il faut qu'on se remette en route, monsieur. Oui, oui, je sais. Je déteste travailler le dimanche, mais bon. Je reviens dès que je peux, d'accord? Auf Wiederhören. En fait, ça, c'est ce qu'on dit au téléphone. Quand on est avec la personne, on dit Auf Wiedersehen ou bis bald. Alors, bis bald, papa. Hé, hey, Summer, ouais. Je m'en vais. Si, toutefois, t'as vu que j'étais là. C'est fou cette capacité qu'elle a de m'ignorer. C'est comme ça, les adolescents. Summer, ton père doit partir. Oh, salut papa. Salut ma chérie. Ah, les enfants, ils grandissent trop vite. Je vous prends un café, on se retrouve dans la voiture pour revoir le programme. Bien, je vous dis à plus tard. À plus tard. Soyez sages les enfants, d'accord? Bis bald. Bis bald. Oh, 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 oh. Je ne suis pas d'ici, vous comprenez ce qu'il dit? Oui, je peux vous aider peut-être, je suis américain. Oh, génial, je suis soulagée, je comprends rien du tout à ce qui se passe. Ah, c'est rien, ne vous en faites pas. D'ailleurs, à Vienne, la plupart des gens parlent plusieurs langues. C'est alors... vrai, tant mieux, parce que moi, je ne parle pas un mot d'allemand. Pourquoi ils sont réunis? Oh, c'est pour allumer les bougies de la couronne de l'Avent. On en allume une les 4 dimanches qui précèdent Noël. Oh. Celle du milieu, quant à elle, est allumée le soir du réveillon ou le jour de Noël. Mm-hmm. Chaque bougie représente un symbole. L'amour, la joie, la paix, l'espoir. On célèbre quoi aujourd'hui? La joie. Je suppose que vous êtes ici en touriste. Oh, ça se voit tant que ça. Il ne vous manque que le guide. Et la fameuse perche à selfie. Ils sont dans mon énorme sac à dos. Ils se trouvent à l'auberge de jeunesse? À l'auberge, oui, c'est ça. Merci beaucoup d'avoir renseigné une touriste. De rien, j'ai l'habitude. Et j'adore ça. Discuter avec des inconnus me pousse toujours à me montrer le plus accueillant et le plus charmant possible. Eh bien, vous avez réussi. Ah, merci. Vous savez où se trouvent les ateliers pour enfants? Oui, j'en viens justement, c'est juste à côté, au coin de l'allée. Super, merci beaucoup. Profitez bien de votre séjour à Vienne. Merci. Tellement contente de te revoir. C'est quoi cette installation? Ça, c'est la chorale des enfants de Vienne qui prépare un spectacle pour Noël. Summer va faire un solo. Salut. Ella assure l'assistance technique dont on a grand besoin. Et Julianne cherche tout simplement une excuse pour ne pas aider les autres à décorer la scène. Mais c'est vrai, je me sens pas très bien. Je crois que j'ai attrapé la grippe qui traîne en ce moment. Pourtant, tu as bonne mine. C'est la grippe de Noël. Oh, la fameuse guirlandite. Jess est violoniste.
C'est la première femme à être premier violon au Philharmonique de Minneapolis. Oh, wow. C'est quoi un premier violon? C'est quoi la Minneapolis? Eh bien, Minneapolis, c'est une ville, et le premier violon, c'est un peu comme le capitaine de l'orchestre. Dis donc, Ella, tu as fait ça toute seule, c'est très impressionnant. C'est pas moi, c'est notre cousine Tori. Oh. Tes nouvelles pièces sont encore plus belles que les précédentes. J'aime ton enthousiasme, mais ce ne sont que des décorations de Noël. Ce ne sont pas que des décorations, c'est de l'art. Pareil pour tes toiles. Je te traque sur les réseaux sociaux. Toi, il te faut une part de strudel et tout de suite. Oh, si tu veux. Je sais où on mange les meilleurs. On revient très vite, d'accord? D'accord. Oh, mon tout premier strudel aux pommes. J'espère que c'est aussi bon que ça en a l'air. Goûte, tu verras. C'est délicieux, hein? J'adore. Ils ont l'air géniaux, ces enfants. C'est super que tu puisses t'en occuper. Je n'aurais pas pu rêver mieux. Mon cousin Marc a été muté ici l'année dernière. Il est diplomate à l'ambassade des États-Unis. La maman des enfants était viennoise alors. C'est comme si une part d'elle était encore avec eux. Elle est décédée. Comme je donne un coup de main à Marc avec les enfants, on passe beaucoup de temps ensemble. C'est un papa très attentionné. D'ailleurs, tu veux que je te dise? Je suis sûre qu'il te plairait. Arrête tes bêtises. Bah quoi? Tu vois déjà quelqu'un? Oui, figure-toi. J'ai quelqu'un dans ma vie et c'est très sérieux entre nous. Quoi? Je veux tous les détails. Comment le décrire? Une plastique de rêve, un teint plutôt hâlé. On fait de la musique tous les deux. Oh. Tu parles de ton violon. Trop mignon. Même si en ce moment, ma musique laisse à désirer. Qu'est-ce que tu racontes? T'es fantastique. Je sais pas comment t'expliquer. J'ai l'impression de ne pas avoir la tête à ça. Je ne suis plus inspirée comme avant. Vraiment, je lutte. Tu as fait beaucoup de sacrifices pour en arriver là. Ne l'oublie jamais. Jess, tu peux pas tout arrêter. Tu m'entends? Je vais essayer de tenir. Ça te va comme réponse? Non. Non. Mais c'est toujours génial. Ça. Et si retourner voir les enfants? Ouais. Il faut absolument que tu vois la maison de Marc. Oh. C'est le gros avantage d'être diplomate. Tiens, tu devrais venir ce soir. Je te ferai un Tafelspitz. C'est un plat typiquement viennois. C'est du bœuf bouilli, servi avec de la sauce au réfort et des pommes rissolées. Eh bien, dis donc, ce truc a vraiment l'air intéressant. Mais pour tout te dire, je suis déjà invitée à un cocktail de Noël ce soir. Oh, la classe. Tu vas avec quelqu'un? Tu pourrais venir? Oh non, impossible ce soir. Je dois garder les enfants. Je vois. Tu veux passer demain? Ouais. Génial. Oh, bonjour Vincent. Bonjour. Vous avez vu Marc? Oui, il descend dans une minute. Waouh, c'est très joli. Merci. Ma mère collectionne les boules de Noël. Les vôtres lui plairaient. Vous les vendez? Oui, sur Internet. Chaque année, je fais la demande pour un stand sur le marché de Noël, mais la liste d'attente est tellement longue. Tenez, vous n'avez qu'à prendre celle-ci, vous pourrez lui offrir. Oh, non, je ne peux pas accepter. Comme vous voudrez. Mais si vous insistez... Moi aussi, je vais peut-être pouvoir vous offrir quelque chose. Comme vous le savez, ma mère a un stand de pâtisserie. Cette année, il est beaucoup plus grand que d'habitude. Peut-être qu'elle pourrait le partager avec vous. Ce serait absolument fantastique. Ça fait des années que Tori souhaite avoir un stand sur le marché de Noël, n'est-ce pas? C'est vrai, mais ça veut dire que je devrais être sur place et les enfants. Laissons déjà Vincent en parler à sa mère, après on verra. Les enfants, je dois sortir, mais je reviens très vite, d'accord? Très bien, génial. Vous n'avez qu'à tous m'ignorer. Sur ce, à plus tard. Les autres membres du Quatuor arrivent la semaine prochaine pour commencer les répétitions. Vous devez être impatiente. Oui, c'est vraiment pour moi un immense honneur que de jouer à l'Opéra National de Vienne. Vous serez parfaite. Nous essaierons de venir, d'accord? C'est une excellente nouvelle. Félicitations. À vous aussi. Excusez-moi, j'en ai pour une minute. Je peux vous laisser mon verre? C'est gentil, merci. Je ne m'attendais pas à recroiser votre route de sitôt. Je suis navrée de vous décevoir. J'imagine que vous ne serez plus aussi charmant cette fois. Rappelez-vous, c'est vous qui avez dit que discuter avec des inconnus vous poussait à vous montrer le plus charmant possible, comme nous avons déjà fait connaissance. Donc vous insinuez que je suis moins charmant? Pas du tout, non. Vous êtes toujours très charmant. Une valse viennoise. Strauss. C'est ça. Vous savez, quand la valse est apparue à Vienne, ça a fait un vrai scandale. On comprend pourquoi. Eh bien, auriez-vous envie de faire un scandale? Pardon? C'était une plaisanterie. Une mauvaise plaisanterie, je voulais seulement savoir si vous vouliez valser. Ah, d'accord, mais non, je ne valse pas.
On pourrait seulement danser. Je n'aime pas danser, tout court. Alors. Oui. Oh, mais je vois qu'il commence à se faire tard. Je ferais mieux de rentrer. Je promets de ne plus jamais croiser votre route. Bonne soirée. Bonne soirée. Alors maintenant, tu vis dans un palais? Oui, on peut dire ça. Mais à Vienne, tous les diplomates ont des villas somptueuses. C'est dingue. Bon, assez parlé de moi. Il était comment, ce cocktail de Noël? C'était bizarre. Enfin, c'était plutôt agréable, mais je suis retombée sur le type que j'avais rencontré un peu plus tôt au marché de Noël. Il était mignon? C'est genre un prince sorti d'une pub pour un parfum. Oh, rien que ça, je suis pas sûre de savoir ce que ça veut dire. Il a discuté un petit moment avec moi au marché, et on a remis ça à la soirée, alors j'ai décidé de suivre ton conseil, je me suis jetée à l'eau et je l'ai invité à danser. Et alors? Alors, je me suis pris un râteau, c'était terriblement embarrassant. Désolée. C'est rien, c'est pas comme si j'allais le revoir. Tu sais quoi? La mère de Vincent, le secrétaire de Marc... Je vais essayer de te suivre. Elle m'a proposé de partager son stand sur le marché de Noël pour que je puisse vendre mes décorations. Quoi? Mais c'est génial! Tu te rends compte depuis le temps que j'en rêvais? Mais il y a juste un tout petit problème. C'est que je vais devoir y aller pendant la journée. Pas toute la journée, pas tous les jours. Mais je vais avoir besoin d'aide avec les enfants. Et tu veux que je t'aide à faire passer des entretiens à des babysitters? J'ai déjà contacté toutes celles que je connaissais et aucune d'elles n'est libre. Je veux pas confier les enfants à une inconnue. En plus, t'es fantastique, tu serais une source d'inspiration pour eux. Eh bien, toi, t'as vraiment envie de me convaincre. C'était un peu trop ou juste assez pour que tous mes rêves se réalisent enfin? J'ai déjà prévu toute une semaine de visites touristiques. Emmène-les avec toi, ils seront parfaits comme guides. Plaisante. N'aie pas peur, les enfants, ce sont des petites personnes. Après une heure avec eux, tu te sentiras de nouveau jeune. Quoi? Viens, je vais te présenter Marc. Non! Marc, j'ai quelqu'un à te présenter. Je croyais que vous ne deviez plus jamais croiser ma route. Ne me dis pas que c'est... Oh. Jess, voici mon cousin Marc. Marc, voici ma grande amie Jess. C'est ta fameuse colocataire de l'université? Oui, c'est elle. La violoniste? Oui. Vous savez, Tori nous a dit énormément de bien à votre sujet. Quant aux enfants, ils étaient vraiment ravis de vous avoir rencontré. En tout cas, merci d'avoir proposé de nous aider en gardant les enfants. À moins que vous n'ayez pas... proposer de garder les enfants? Je serais ravie de donner un coup de main. Tu es sérieuse? Oui, oui, ce sera marrant. Je serai votre version américaine de Mary Poppins. Ça ne veut absolument rien dire, mais vous avez sûrement compris l'idée. Excusez-moi. Merci. De rien, vraiment, ça me fait plaisir. Ce n'est pas du tout gênant. Allez, viens, on va prévenir les enfants. Allons-y, c'est trop chouette. Tu es prête pour ton premier jour? Pas du tout. Et toi, tu es prête pour ton premier jour? Oui, plus que jamais. Super. Alors je fais quoi avec les enfants à ton avis? Je devrais les emmener dans un magasin qui vend sucreries, café et chiots et je les laisse choisir ce qu'ils veulent? Visiter la ville, faites des trucs de Noël. D'accord. Vous pourriez aller à Schönbrunn, voir le sapin ou à la patinoire devant l'hôtel de ville. Il y a quelque chose que je devrais savoir sur eux? Il y a des règles spéciales à respecter? Non, les trucs habituels, tu sais. Ne les mets pas à la lumière, ne les mouille pas et ne les nourris jamais après minuit. C'est à mourir de rire. Bonne chance. Merci. Allons-y. Waouh, c'était absolument magnifique. Non, j'ai mal chanté. À la fin, j'avais plus de souffle et j'étais pas toujours très juste. Tu n'as aucun problème de justesse, crois-moi. J'ai à la fois la chance et le malheur d'avoir l'oreille absolue. Mon interprétation doit être parfaite pour le concert. Tu sais, Richard Strauss a dit « La voix est le plus bel instrument qui existe au monde, mais c'est également celui qui est le plus difficile à maîtriser. » Tu vas y arriver. Je me disais qu'on pourrait faire un petit tour en ville, ça te tente? D'accord. Super. Oui, entrez. Vous venez d'emménager? Non, ça doit faire un an. Il serait peut-être temps de défaire tes cartons. C'est plus facile, comme ça, on va bientôt déménager, de toute façon. Mais on a tous besoin de poser nos valises quelque part, tu crois pas? Je sais pas, moi j'ai des cartons. Je voulais dire qu'on a besoin de se sentir chez soi. Et sinon, qu'est-ce que t'es en train d'étudier? J'apprends l'allemand. Si on se met en route d'ici 5 minutes, ça te va? D'accord.
Oh, bonjour. Bonjour. Je vais faire un petit coucou à Ella. Alors ça, c'est un placard. Je sais, j'étais parfaitement au courant. Tu veux venir manger à la maison ce soir? La porte est ouverte. Waouh. Ta collection de poupées est magnifique. Merci. C'est qui ça? Miss Nounours. Et ça? Miss Poupée. Donc si un jour tu as un enfant, tu l'appelleras Miss Bébé? Pas si c'est un petit garçon. Tu es prête à partir à l'aventure? Oui. Chouette. Allez, viens. On y va. C'est vraiment incroyable. Wow, vous avez vu toutes ces lumières? C'est magique. C'est absolument magnifique. C'est comme ça tous les ans? Ouais. C'est vrai? Vous venez tous les ans à la période de Noël? C'est ici, dans cette salle, que Mozart a joué pour la première fois pour la famille impériale. Ouais. À l'époque, il avait tout juste 6 ans. Comme moi, j'ai 6 ans. Oui, je sais. Tu aimerais jouer devant l'impératrice? Non. Tu m'étonnes, moi non plus. Ça mettrait pas du tout la pression. C'est clair. Wow. Quelques-uns des plus grands musiciens et compositeurs de tous les temps sont venus jouer ici, dans cette galerie. La fresque là-haut est splendide, tu trouves pas? Amusez-vous bien, allez-y. La cathédrale Saint-Étienne est l'église la plus majestueuse de toute l'Autriche. Elle a été le théâtre de tellement de grands événements historiques. Vous savez que c'est ici qu'Haydn a commencé sa carrière musicale en tant qu'enfant de chœur? Et Mozart, lui, il a été, pour ainsi dire, le directeur musical de la cathédrale. Que c'est beau. Hey, Jess. On peut monter tout en haut de la tour? Oui, oui, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Attends. D'accord, allons-y. Ça monte encore. Il y a combien de marches en tout? 343. Oh, génial. On a réussi. Ouais. Waouh. Non, mais quelle vue, c'est magnifique. Notre mère nous emmenait ici à chaque fois qu'on venait à Vienne. En fait, notre maman était viennoise. La règle la plus importante pour moi dans la vie, et c'est peut-être d'ailleurs la seule que je respecte en dehors de le dessert passe avant tout, c'est que quand quelqu'un joue, il faut tout laisser tomber et prendre le temps de l'écouter. D'accord? Tu veux lui donner une petite pièce? Oh oui! Tiens! Dis, Jess, oui, on pourra faire ça tous les jours? Non, pas tous les jours. Peut-être un jour sur deux. Ouais. Allez, je vous ramène. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Vous êtes content de venir choisir votre sapin? Moi, j'adore les sapins de Noël. Oui, moi aussi. Papa! Papa! Coucou les enfants! Salut! Wow, quel accueil! Vous avez fait quoi aujourd'hui? On est allé à l'hôtel de ville. Et au musée du Belvédère. Et Jess nous a laissé encore une fois manger autant de biscuits qu'on voulait. Oh, c'est vrai ça? J'avais prévenu Tori que ça risquait d'arriver. Je crois que vous devriez dire merci à Jess. Merci Jess. Merci Jess. Au revoir. C'est parti. À demain. Le plus beau. Merci. Il n'y a pas de quoi, on s'est bien amusé. Et maintenant, c'est quoi le programme? Vous allez où comme ça? Nulle part, à vrai dire. Je comptais m'éloigner d'un pas nonchalant, comme si j'avais un endroit où aller. Eh bien, on serait ravis que vous vous joigniez à nous. C'est vrai? Génial. Alors, que pensez-vous de Vienne? C'est une ville incroyable, évidemment. Vous vivez ici depuis longtemps? Environ un an. Les enfants m'ont dit qu'ils venaient souvent en vacances. Leur mère était viennoise. Oui, en effet. Elle était d'ici.
On s'est rencontrés à Londres, à l'université. On a un peu bourlingué de l'Afrique du Sud au Royaume-Uni. On pensait revenir vivre à Vienne, mais... Et vous, vous êtes originaire de quel coin ? Moi ? Je viens d'un peu partout, donc de nulle part. Mes deux parents étaient dans l'armée. Les camions de déménagement sont devenus mon habitat naturel. Ça a dû être rude. Oh, on s'y fait, il y a du pour et du contre, on s'intègre partout, mais... On ne se sent jamais totalement chez soi. Bon, alors, quel a été votre lieu de résidence préféré ? Mon lieu préféré, laissez-moi réfléchir. Papa ! Hein ? On a trouvé un sapin ! C'est vrai ? Allez, venez voir ! Super ! On a trouvé un sapin ! On te suit ! Tiens, attrape. Ce sapin va être... Zut, j'ai oublié de récupérer l'étoile pour la mettre dans le sapin. Merci, Sommet. Monsieur ? Oui ? J'ai fini, je vais rentrer. Oh non, vous devriez rester. Aidez-nous à décorer le sapin. Au fait, Vincent, je vous présente Jess. C'est une amie de Tori. Ravi de vous rencontrer. Jess, je vous présente mon bras droit, Vincent. Eh bien, moi, je ne serai pas contre un peu d'aide. Alors, où en était ? Ma mère a exactement les mêmes figurines. Oh, c'est vrai ? Oui, tous les ans, à Noël, mes parents reçoivent toute la famille pour qu'on les aide à décorer la maison. Et c'est toujours moi qui m'occupe de la cheminée. Ils habitent dans quel coin, vos parents ? Philadelphie. C'est là-bas que j'ai passé toute mon enfance. Oh, Philadelphie. Je pense qu'il faudrait mettre le Père Noël là-bas. Je connais pas. C'est comment ? Pour tout vous dire, ça ressemble un peu à Vienne, en version américaine. Ah ouais ? C'est une ville riche en histoire, très culturelle et à l'architecture renversante. Mm-hmm. Et la nourriture ? On a des saucisses démentielles, les sandwichs bœuf fromage, on a les escalopes, les bretzels. Les bretzels qui sont en fait une spécialité d'ici. Soit. Ils ont peut-être été inventés ici, mais chez nous, ils ont atteint la perfection. Dites-donc, ça a l'air d'être une ville absolument extraordinaire. Oui, je crois qu'on peut le dire. Maintenant, je vis à Minneapolis. Ah ouais ? Vraiment ? Et de quoi ça a l'air ? C'est un haut lieu de la culture et de la musique. Quant aux spécialités, elles sont à base de fritures et se mangent avec les doigts, alors j'ai vraiment pas à me plaindre. Non. Et lui non plus. Marc, les enfants commencent à avoir faim, je prépare quelque chose vite non, fait. Non, reste, je m'en charge. Qui a envie de croque-monsieur ? Moi ! Moi ! Je vais t'aider ! Tu veux bien arrêter ? Pourquoi ? Il m'a déjà repoussé une première fois, ça ne te suffit pas comme raison. Il y a une alchimie entre vous, c'est évident. Et qui sait, Marc sera peut-être celui qui t'aidera à redécouvrir ta passion pour le violon. Tori, si je suis venue ici, ce n'est pas pour redécouvrir ma passion pour le violon. Je suis là pour lui dire adieu. J'ai décidé de quitter l'orchestre. Pourquoi ? Parce que ces derniers temps, je n'ai plus le cœur à ça. Je me contente de jouer machinalement, c'est l'horreur, je n'y mets plus le moindre sentiment. J'ai pas envie de tout abandonner. Le violon a toujours été toute ma vie, quand je m'imagine sans lui. Je suis terrifiée. Mais qu'est-ce que je peux faire ? J'appréhende le moment où je dois jouer. Il est temps pour moi de faire face à la musique. Je ne ressens plus le même amour pour elle. Guten Morgen. Ah, Guten Morgen. On fait quoi aujourd'hui ? Il me semble que ta sœur a une répétition pour le spectacle. Tu te prépares pour aller au marché ? D'accord. Hey, bonjour ma chérie. Comment va Miss Nounours ? Elle a la migraine ce matin. Oh, je suis désolée pour elle. Est-ce que c'est ton violon ? Oui. Je dois m'entraîner aujourd'hui. Tu veux le voir de plus près ? Oui. Approche. Viens te placer à ma gauche. Allez, attrape le violon et fais bien attention. Maintenant, pose ton menton ici et coince l'instrument entre le menton et l'épaule. Il est un peu grand pour toi, mais tu veux essayer ? Oui. Tu veux ? Vas-y. C'était très, très bien. Non. Si, si, je t'assure que c'est vrai. J'ai vu des tas d'enfants jouer leur première note sur un violon et pour un premier essai, c'était parfait. Tu peux me croire ? Moi aussi, j'étais timide quand j'étais petite. Je crois que je craignais que les gens se sentent mal à l'aise s'ils apprenaient à quel point j'étais géniale. Quand il m'était difficile de parler, c'était le violon qui parlait à ma place. Tiens, regarde, ici on a mi, la, ré et sol. Sol ? Oui, c'est ça. Très J'arrête bien. Pas de me tromper. Oh, mais non. Fais une pause, on reprendra plus tard. Hé, hey, qu'est-ce qui ne va pas ? Peut-être que quelqu'un d'autre devrait faire l'ouverture. Après tout, il s'agit de la chorale des enfants de Vienne. Il faudrait peut-être mieux que je laisse ma place à un vrai Viennois. Bon, alors, primo, cette chorale est ouverte à tout le monde. Et secondo, tu es Viennois si tu vis ici. Pour l'instant seulement.
mais ta maman était viennoise. Summer, ta voix est magnifique. Tu vas être époustouflante. Ce qui est vraiment dommage, c'est que mon concert ait lieu en même temps et que je ne puisse pas te voir sur scène. Merci. On dirait que ta grippe de Noël est guérie. Pourquoi tu vas pas aider les enfants qui sont en train de peindre? Ce serait l'occasion de t'entraîner à parler allemand. Tu sais, on peut se sentir chez soi quelque part de tas de façons différentes. Salut tout le monde! Papa! Vous faites quoi? J'ai fini tôt, on pourrait peut-être aller faire du patin à glace. Vous devriez venir avec nous. Ah ouais, Jess, viens avec nous. La patinoire se trouve sur la place de l'hôtel de ville. C'est une activité à ne pas rater. D'accord. Parfait. Génial. Candles burning low, lots of mistletoe, lots of snow and ice everywhere we go. J'en conclue qu'il ne doit pas y avoir de patinoire dans cette chère ville de Philadelphie. Si, bien sûr qu'il y en a une, mais j'ai toujours pris soin de l'éviter. Quand vous consacrez votre vie à un instrument de musique, vous avez tendance à fuir toute activité où des gens chaussés de patins tranchants risqueraient de vous passer sur les doigts. Vous avez l'air plutôt à l'aise sur ces engins. C'est parce qu'à une époque, je jouais au hockey. Le hockey, c'est bien ce sport où les joueurs se disputent ce qui ressemble à un cookie géant, mais qui n'en est pas un. C'est l'idée générale que vous vous faites du sport? J'aime bien le football. Qui se joue avec les pieds? Non, le football américain où le ballon ressemble à une gigantesque amande enrobée de chocolat. Quelque chose me dit que vous êtes gourmande. Bon, on va essayer une autre méthode. D'accord. Tenez bien mes mains et faites comme moi. D'accord. Regardez-moi ça. Vous avez pigé le truc? Non, vous me dites ça pour être gentil. Je dis quelque chose que je ne pense pas. C'est de la politesse. Viens, on y va. C'est toi le chat. Quoi? Attends, que je t'attrape. C'est facile, n'est-ce pas? Regardez. Vous avez tout compris. Vous n'attendez pas de moi que je fasse un triple route ou un truc de ce goût-là. Ça va, pas de panique. Vous vous en sortez très bien. Vous voyez? Oh oh oh. On va prendre en chocolat chaud. Avec plaisir. Très bien. Allez, on y va. Merci. Waouh. Double dose de chocolat. Ce n'est pas fait pour les âmes sensibles. Pour pouvoir avaler ça, il m'aura fallu pas moins de toute une vie d'entraînement intensif. Je voudrais être sûr d'avoir bien compris. J'ai donc passé des années à courir après un cookie géant. Et vous, vous avez voué votre vie au chocolat. Oui, c'est ça. Ma vie entière. Et si vous vous posez la question, c'était une formidable façon d'occuper mon temps. Vous avez toujours voulu devenir diplomate? En fait, je suis envoyé. D'accord. C'est un poste au sein de la diplomatie. Mais j'ai pour objectif de devenir ambassadeur, et pour ça, je dois attendre une nouvelle promotion. Vous voulez dire que quand les autres enfants voulaient être médecins ou bien pompiers, vous, vous rêviez de devenir ambassadeur? Eh bien, disons que c'est un truc de famille de militaires. Quand j'étais plus jeune, j'étais très doué pour les langues étrangères. J'ai toujours su ce que je voulais faire. Commencer par être assistant, puis conseiller, envoyé et, avec un peu de chance, ambassadeur. Et ça vous plaît vraiment? Je dois dire que oui, c'est à la fois gratifiant et stimulant. Alors ça, c'était extrêmement diplomate comme réponse. Eh bien oui, que voulez-vous? Diplomate un jour, diplomate toujours. Et vous alors? Quand les autres enfants voulaient devenir astronautes et pilotes de ligne, vous vouliez être premier violon? Oui. Oui, j'en ai toujours rêvé. Vraiment? Oui, je ne pensais qu'à la musique. J'en rêvais toutes les nuits. Entendre une porte grincer en mi bémol me mettait littéralement en transe. Mais c'est différent de ce à quoi je m'attendais. Dans quelle mesure? Il y a énormément de stress et on nous met une pression hallucinante. Toute ma vie, j'ai joué uniquement pour la joie que ça me procurait, et maintenant, c'est devenu une corvée. Je vois. En fait, je me demande si c'était pas couru d'avance. En devenant premier violon, on est forcément plus ou moins déconnecté. Mais je ne peux pas faire semblant. La musique ne ment pas. D'ailleurs, pour tout vous dire, j'ai décidé de quitter l'orchestre. Quoi? Oui. J'arrête, je vais donner mon tout dernier concert. Et alors, vous comptez faire quoi ensuite? Je n'en ai aucune idée. Je dois admettre que c'est plutôt effrayant. Vous savez quoi? Vous avez beaucoup de talent. Vous allez trouver une solution. Oh! Ihr sitzt unter einem Nistelzweig. Ja, ja, vielen Dank. Ja, aber so wunderschön. Ja, vielen Dank. Tschüss. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle m'a simplement parlé du sapin et des décorations. Je rêve où son petit air espiègle avait quelque chose à voir avec ce qui est accroché juste au-dessus de nous.
Non, vous ne rêvez pas. Non. Ça avait effectivement un lien direct avec ce bouquet de gui. Ouais. Nous ne pouvons pas faillir entièrement à la tradition. Prête ? On devrait aller voir les enfants. Mes enfants. On va voir mes enfants. Allons-y. Allez. Place ton menton juste là, maintiens la position. Maintiens. Comme ça. Voilà. Et maintenant, il va falloir que tu inclines un tout petit peu la tête sur le côté. Prends l'archer, là, et enroule tes doigts autour de lui. C'est bien. J'y arrive ? Oui, tu y arrives. C'est très bien. Ré. Là. Oui ! J'ai réussi ? Oui, tu as réussi. Tu es une violoniste née. Maintenant, on va changer de... Jess a loué un violon pour Ella, mais il n'avait plus de modèle pour enfant. Tu veux essayer de jouer un mi ? Si Ella a envie de se mettre sérieusement au violon, je lui en achèterai un. Faut aussi que je lui trouve un professeur, puisque Jess va partir. Tori, les enfants s'attachent à elle. J'ai vu ça. Elle va partir. Oui, on le sait tous. J'ai réussi ! Tu as réussi ! C'est incroyable, tu es faite pour ça. Je sais que tu veux seulement les protéger, mais... Les encourager à se rapprocher des autres, c'est aussi une manière de les protéger. Bravo. Attention, remonte. Maintenant, nous allons passer... Je te laisse, je vais au marché. D'accord ? Ça, d'accord. C'est la corde de Ré, et juste à côté, tu as le La. On y va. Ré. La. Super ! Tu as assuré. Bravo, ma puce. C'était fantastique. Je joue qu'une seule note à la fois. Oui, mais justement, c'est ça la musique. Ce n'est qu'une ribambelle de notes les unes à la suite des autres. C'est ta façon de les jouer qui rend ça magique. Et toi, tu joues en y mettant tout ton cœur. Tu sais quoi ? Je crois que la prochaine fois, tu pourras apprendre ton premier morceau. Oh ! Dis, quand ton cours sera fini, tu voudras aller faire un tour aux ateliers de Noël ? Oui. Vous devriez venir, vous aussi. J'adorerais me joindre à vous, mais il vaudrait peut-être mieux que je rentre à l'hôtel pour m'entraîner. Vous êtes sûre ? Après tout, on peut dire que je viens de travailler mon violon. Oui. Ah oui, tu crois ? Alors on y va. Tu as l'air contente. Ça fait plaisir. Ouais, c'est chouette. Tu commences par partir en moi, il faut absolument que je... Tu peux avoir du ruban rouge. De celui-là ? Ça tient. Ouais. Ça te plaît, ma puce ? Alors suivant. C'est quoi ça ? Une décoration ? Ça, monsieur, c'est un magnifique violon rouge. Pardon, j'avais pas vu. Moi, je le trouve très joli. Moi aussi. Tu veux qu'on l'accroche, ma chérie ? Je pense qu'il faudrait le mettre là. Si, si. Comment vous trouvez ma couronne, elle est chouette. Oh, excellent travail. Regardez-moi ce magnifique nœud. Joli, mon, n'est-ce pas ? C'est très impressionnant. À me recouvertir. Non, vraiment, vous êtes douée. Ouais, c'était génial. On peut prendre une photo avec Jess ? Ah ouais, viens avec nous, Jess. Ouais, viens avec nous. Si vous insistez. Allez, maintenant, on dit tous Frohe Weihnachten. Je suis incapable de dire ça. Je propose qu'à la place, on se souhaite tout simplement un très joyeux Noël. Oui, c'est une idée. Un très joyeux Noël. Et voilà. Ouais, génial. Qu'est-ce que ça donne ? Voyons ça. Oh. Tiens, elle est pour toi, celle-là. Oh, merci. Je te promets de la garder précieusement. Oh, des lepkuchen ! Des lepkuchen ! Qu'est-ce qu'elle a dit ? Ça, ce sont des lepkuchen. Ça veut dire pain d'épices en allemand. Lepkuchen... Non. Décidément, je crois que je ne comprendrai jamais rien à cette langue. Je ne suis pas d'accord. Vous avez très bien compris l'histoire du bouquet de gui. Douce nuit. C'est mon chant de Noël préféré. C'est vrai ? Vous savez qu'il a été composé en Autriche ? Oui. Évidemment, vous êtes incollable en musique. Non, je ne suis pas incollable, mais j'en connais un rayon sur Douce nuit. C'est le premier morceau que j'ai appris à jouer. Ce qu'on faisait, c'est que moi je jouais et pendant ce temps-là, mes parents dansaient. C'est devenu une tradition maintenant. À chaque fois qu'ils entendent ce morceau, ils arrêtent ce qu'ils font et ils se mettent à danser. Je croyais qu'on ne devait pas danser sur un chant de Noël. C'est la règle ? Ben, je crois. Alors ma famille enfreint toutes les règles. Vos parents ont l'air d'être des gens extraordinaires. J'ai l'habitude de dire qu'aimer, c'est apprendre la chanson qui résonne dans le cœur de l'autre et la lui chanter quand il en a le plus besoin. J'aime cette idée. Excusez-moi. Je vous en prie. Oh, c'est Vincent. Vous pouvez surveiller les enfants pour moi ? Oui, bien sûr. Les enfants, je vais devoir retourner au bureau. Alors, soyez sages. D'accord. D'accord. Et ne mangez pas trop de sucreries. Ok, oui, papa. Salut. À tout à l'heure. Alors,
les enfants. Regardez-moi ça. Wow. Vous ne trouvez pas cet endroit fabuleux? C'est vraiment trop cool. Jess, comment allez-vous? Bonjour. J'espère qu'au milieu de toutes vos visites touristiques, vous avez trouvé le temps de travailler vos morceaux. Oui, je l'ai encore fait pas plus tard qu'hier soir. Venez voir les enfants. Laissez-moi vous présenter Summer, Julianne et Ella. Cette dame s'appelle Lena, c'est la chef d'orchestre la plus talentueuse du Philharmonique de Vienne. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est probablement le meilleur orchestre au monde. C'est quoi une chef d'orchestre? Eh bien, c'est moi qui donne le tempo, qui donne le ton et qui coordonne le jeu de tous les musiciens. Si je comprends bien, vous êtes un peu comme la colle qui maintiendrait tous les musiciens ensemble, c'est ça? Exactement. Jess, je me demandais si vous seriez d'accord pour ouvrir le concert en prononçant quelques mots. Oui, j'en serais très honorée. Viens, Ella, on va essayer le piano à queue là-bas. Tout va bien? La salle a l'air beaucoup plus grande quand on est sur scène. C'est tout à fait normal de stresser. Moi, j'ai toujours eu énormément le trac. Tu fais quoi pour t'en débarrasser? La plupart du temps, ça passe en jouant. Encore et encore. Mais j'ai aussi ce pendentif que mes parents m'ont offert quand j'avais ton âge. Je ne le quitte quasiment jamais. C'est un porte-bonheur? Non, c'est plutôt un talisman d'amour. Il est là pour me rappeler que, quand le trac commence à monter, je ne dois plus écouter ma tête, mais écouter mon cœur. Je peux visiter les coulisses? Je peux venir? Oui, bien sûr. Laisse-moi deviner. Tu vas encore me dire d'aller retrouver les autres enfants? Non, mais j'ai une question. Pourquoi tu apprends l'allemand? Comme ça. Je veux dire, si tu es sûr de déménager bientôt, pourquoi tu prends la peine d'apprendre cette langue? J'imagine que, d'une certaine façon, apprendre l'allemand me rappelle ma mère. Ça me donne un peu l'impression d'être... à la maison. On peut se sentir chez soi de tas de manières différentes. Tu es rentrée. Oui, ça va. Ils sont tous couchés? Oui, et j'ai l'impression d'avoir accompli un vrai miracle, je t'assure. Ella attend toujours que j'ai éteint la lumière pour demander de l'eau, aller aux toilettes ou poser des questions existentielles. Il y a un souci? On propose à Marc une promotion. À Zurich. C'est vrai? Oui. Alors il va encore déménager? C'est dommage. Je sais bien que c'est comme ça que Marc a été élevé, mais les enfants se plaisent vraiment ici. Bonsoir. Bonsoir. Tu lui as annoncé? Oui, elle vient juste de me le dire. Bon, eh bien, il faut vraiment que je vous laisse. Je dois réapprovisionner mon stock de marchandises pour demain. Bonne soirée. À toi aussi. À demain. Qu'est-ce qui se passe? Je pensais que la nouvelle vous ferait super plaisir. À toutes les deux? Mais c'est le cas. Alors? Pourquoi vous faites cette tête? Peut-être parce que pour une fois, j'ai vraiment trop abusé des sucreries. Je vous en prie, Jess. Qu'est-ce qu'il y a? Non, non, je voudrais pas me montrer impoli. Aucun risque. C'est moi qui vous le demande. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. C'est tout. D'accord. Si vous insistez. Alors, pour commencer, toutes mes sincères félicitations. C'est une opportunité incroyable pour vous. Seulement, je m'inquiète pour les enfants. Je pense qu'ils ont besoin d'un foyer, de se sentir chez eux. D'avoir un endroit où ils se sentiraient enfin à leur place. Après tout, ils sont si jeunes. Vous êtes fâchée? Je ne suis pas fâchée. Si vous l'êtes. Non, je ne suis pas fâchée. Vous avez insisté pour que je vous donne mon avis et je vous l'ai donné. C'est le moins qu'on puisse dire. Je vois. Eh bien, si c'est comme ça, je ferai mieux d'y aller. Au revoir. Jess, t'es une vraie star. Non, je suis pas une star. Bien sûr que si. Oh, vous êtes là. Oui, Tori a dû partir plus tôt. Papa? Oui? On parle de Jess dans le journal. Quelle bonne nouvelle. Toutes mes félicitations. Ils ont un avis sur vous? Je peux vous servir? Avec plaisir, merci. De rien. Comment vous prenez votre café? Vous avez sûrement des idées bien arrêtées. Avec de la crème et du sucre. Et vous, vous le prenez comment? Laissez-moi deviner, un tantinet trop sérieusement?
c'est une blague? Qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir une tempête de neige le matin du spectacle, on va pas pouvoir chanter sur le marché de Noël. On va peut-être devoir annuler notre concert. Ma chérie, je suis navrée, mais tu sais, je suis sûre que ton concert ne sera pas annulé. Tout le monde se retrouve au marché, je peux y faire un saut? Oui, si ton père t'y autorise. Bien sûr que tu peux y aller. Super, merci. Summer, s'il te plaît, tiens-moi au courant, tu veux bien? D'accord, à tout à l'heure. Salut. Ils ont un nouvel endroit où chanter? Non, pas encore, mais j'ai peut-être une idée. Pourquoi t'es pas à ton stand? J'ai vendu tout mon stock. J'ai du mal à avoir assez de marchandises pour la journée et les ventes en ligne ont explosé. Tu n'imagines pas à quel point je suis contente pour toi. Tu envisages de te consacrer à ton activité artistique à plein temps? Je croyais que c'était mon rôle de pousser les gens à sortir de leur zone de confort. C'est vrai. Du coup, je peux prendre le relais avec les enfants si t'as quelque chose à faire. Oui, avec plaisir. Je voulais encore faire quelques achats de Noël. Super. Je viens justement de croiser Marc qui faisait la même chose. Qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Oh, j'en sais rien. J'en sais rien. Il est avenant, il est distant, il se rapproche et puis il s'éloigne, il me demande mon avis et il se fâche quand je lui donne. J'ai l'impression qu'il aimerait que je m'ouvre totalement à lui, alors que lui, il se garde encore la possibilité de se protéger. Jess, il a perdu quelqu'un qu'il aimait. Je sais. Et je ne suis pas sûre qu'il soit déjà prêt à revivre une histoire d'amour. D'ailleurs, je suis pas sûre de l'être moi non plus. Alors tu vois... Marc est un très bel homme, il est charmant, c'est quelqu'un de merveilleux, et à compter de maintenant, je vais faire tout mon possible pour l'éviter. Oui. Alte entzündet Stadtrat Rudi Oppermann, die letzte Kerze. Bitte. Liebe Wiener Mitbürger, es ist für mich eine große Ehre. Vous comprenez ce qu'il dit? Vous savez ce que font ces gens? C'est la cérémonie où on allume la couronne de l'Avent. Chacune des quatre bougies représente un symbole de Noël. Et elle représente quoi, la bougie qu'ils allument aujourd'hui? Je ne sais pas. À vous de me le dire. C'est la paix. Est-ce que ce sont des excuses? Ce sont des excuses. Je suis désolé, je vous ai demandé votre avis. Vous avez insisté. J'ai insisté, mais je n'ai pas aimé ce que j'ai entendu. Parce que... Vous ne renoncez jamais? Jamais. Parce que ce que vous avez dit était juste. La situation est très compliquée. En allemand, ils ont un mot pour ça. Verschlimmbessern. Ça veut dire aggraver les choses. Pour les améliorer. J'ai l'impression que c'est exactement ce que je suis en train de faire. Décidément, on dirait qu'il existe un mot imprononçable pour tout en allemand. On pourrait aller prendre une tasse de Glühwein, ça vous dit? Glue quoi? Glühwein, c'est un vin chaud traditionnel, très épicé. Ça a un petit goût de bonbon. Oh. Et c'est servi chaque année dans des tasses fantaisies différentes. Vous m'avez convaincu avec votre vin au goût de bonbon. J'étais sûr que ça marcherait. Merci. Alors ça y est, vous avez trouvé tous vos cadeaux de Noël? Non, je n'ai pas arrêté de remettre ça à plus tard. Il faut vraiment que je m'y attelle. D'ailleurs, pour tout vous dire, j'ai acquis au fil des ans la réputation de toujours offrir le cadeau idéal. C'est vrai? Oh, oui. Bien. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un cadeau est parfait? Eh bien, ça doit être quelque chose de personnel, qui vient du cœur et surprenant. Je vois. Mais le cadeau vraiment, vraiment parfait, c'est celui que vous désirez sans même le savoir et qui, une fois ouvert, vous devient absolument indispensable. Waouh! C'est du haut niveau. Moi, d'habitude, je suis du genre à offrir des chaussettes et des bons d'achat. Pour de vrai? J'ai bien peur que oui, hélas. Oh, oui, pitié. Je sais, je fais les pires cadeaux de la Terre, mais parallèlement à ça, je m'assure toujours de me faire offrir le cadeau que je voulais. Ah. Eh oui, vous voyez, Noël réveille toujours l'enfant qui sommeille en moi. Et malgré mon âge, je continue encore à faire un vœu en regardant l'étoile de Noël. Pourquoi, à chaque fois que je suis avec vous, j'avoue quelque chose que j'ai jamais dit à personne d'autre? Vous savez, il existe un mot pour exprimer ça. Ah oui? Et qu'est-ce qu'on dit? Se confesser. Bon, allez. Ouais. Il faut que je m'y mette maintenant. À quoi? Oh, les achats de Noël. Les achats, c'est vrai. Exactement. Et moi aussi. Très bien. Alors, bonne chance. Merci. À plus tard. Lena, bonjour. C'est très gentil à vous de me rappeler aussi vite. Alors voilà, j'ai un immense service à vous demander. Bonsoir. Excusez-moi de débouler chez vous sans prévenir. C'est rien, mais Tori n'est pas là. En fait, je suis venue pour voir Summer.
Très bien. Alors voilà, j'ai préféré ne rien dire avant parce que je n'étais pas sûre à 100% que ce soit faisable, mais je viens de parler à Lena Huber, la chef d'orchestre avec laquelle je travaille. Figure-toi qu'elle a discuté avec le directeur de l'Opéra de Vienne et tous les deux proposent que vous fassiez votre spectacle à l'Opéra juste avant mon concert. C'est vrai? On va chanter à l'Opéra National de Vienne? Oui. Et chacune va pouvoir assister au spectacle de l'autre. Oh, c'est génial, merci. De rien. Oh, merci, 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 t'es la meilleure. Il faut vite que j'annonce la nouvelle à tout le monde. Oui, vas-y. Merci du fond du cœur. Je suis moi-même tellement heureuse que ça se soit arrangé. Dites, vous auriez une minute à m'accorder? Parce que j'ai un petit quelque chose pour vous. Oui, oui, bien sûr. J'espère que ce ne sont pas des chaussettes. Désolé, vous avez deviné. Vous serez là pour Noël, n'est-ce pas? Oui, je ne pars que le lendemain. Dans ce cas, nous espérons que vous accepterez de passer Noël avec nous. Oui, ce sera avec grand plaisir. Bien, alors je connais l'endroit idéal où accrocher ça. Alors, en tant que grande spécialiste des cadeaux, comment trouvez-vous le mien? Eh bien... c'est personnel, offert avec le cœur, et très surprenant. Oui, je dirais que c'est le cadeau idéal. Tant mieux. J'ai jamais été autant soulagée. Ah oui? Eh bien, tant mieux. Oh, holy night, the stars are brightly shining, it is Je t'ai préparé du thé. Oh, merci. Tu as besoin d'aide pour tes décorations? Oui, c'est pas de refus. C'est parti. Elles sont tellement belles. Tu te sens comment à l'approche du concert? Quoi, celui de Summer? Non, je parlais du tien. Ton tout dernier concert. C'est un sacré événement. Oui, comme tu dis, un sacré événement. Mais ça ne sera peut-être pas le dernier, en fin de compte. Tu veux dire que tu vas pas arrêter? Disons que je commence à me poser la question. Oh, Jess, tu n'imagines pas comme je suis contente d'entendre ça. J'avais tellement peur que tu fasses la plus grosse bêtise de toute ta vie. Tu aurais dû me dire tout ça plus tôt. Alors attention, ça ne signifie pas forcément que je vais continuer, mais j'ai répété hier soir et je l'ai fait avec beaucoup de plaisir. J'ai pu ressentir les mêmes sensations qu'avant. En fait, non, c'est pas vrai, ça n'avait rien à voir, c'était... Ça y est, je les ai enfin mis au lit. Vous savez, je négocie des accords de paix toute la journée, mais je crois... que mes plus grandes victoires se jouent au moment du coucher. Du coup, je me suis dit que j'allais nous préparer une petite tasse de Weihnachts Punch. À vos souhaits. Merci, mais non, c'est un punch viennois qui se boit à Noël. Vous devez absolument essayer. Et si je restais garder les enfants pendant que tu emmènes Jess à l'hôtel Zahre? Leur punch est très réputé. Pourquoi pas, oui. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne idée. Jess, je voulais vous remercier pour tout ce que vous faites pour les enfants, et en particulier pour Ella. Elle adore jouer du violon. Elle aime vraiment ça. Vous avez vu? C'est un bonheur d'être son professeur. Quand je vois à quel point jouer la rend heureuse, ça me rappelle ce que je ressentais autrefois quand je m'exerçais. C'est-à-dire? L'autre soir, avec les enfants, nous avons vu une violoncelliste jouer. Elle était totalement connectée à sa musique. Elle était pleine de joie. En l'écoutant, j'ai compris ce qui me manquait. Moi aussi, je jouais comme ça avant. Mais depuis un certain temps, je ne fais que me produire. À vrai dire, je ne sais pas trop si c'est le fait de donner des cours à Ella, d'être ici, tout simplement. Dans cette ville magnifique, ce temple de la musique, d'une beauté rare. Mais je recommence à jouer avec mon cœur. C'est génial. Oui. Ah, merci beaucoup. Allons-y. À vous l'honneur. Très bien. C'est bien meilleur la seconde fois. Je ne voudrais pas me montrer indiscret, mais pourquoi ça vous est devenu si difficile de jouer? C'est peut-être à cause de la pression. J'ai dû finir par m'épuiser. La vérité, c'est que j'ai été fiancée. Il était violoniste, lui aussi. Et il a rompu avec moi. Je ne m'en suis pas rendu compte sur l'instant, mais cette rupture était la meilleure chose qui pouvait nous arriver. On n'était pas vraiment investis, émotionnellement. C'était comme si on était passé en pilotage automatique.
Quoi qu'il en soit, je suis sortie de cette rupture, le cœur complètement brisé. Mais je me suis interdit de ressentir le chagrin. Au lieu de ça, je me suis jetée à corps perdu dans la musique parce que, eh bien... parce que je savais qu'elle, elle ne m'abandonnerait jamais. Qu'elle ne me ferait jamais de mal. C'est comme ça qu'elle est devenue pour moi un moyen de... camoufler mon cœur, au lieu de m'en servir pour jouer. Je comprends, vous savez. Vraiment. J'ai l'impression qu'on a tous les deux le même instinct de conservation. Mais en réalité, on ne fait pas ça pour se protéger, on le fait parce qu'on a peur. Je sais, vous avez raison, c'est plus fort que moi. Je voudrais arrêter, mais je continue parce que je suis... terrorisé. Oh, wow. Génial, je recommence à admettre quelque chose que j'avais encore jamais dit à personne. Vous avez trouvé à quel mot je faisais allusion? Est-ce que c'est l'humiliation? Vous comptez me le dire? Pas encore. D'accord. Je me doutais que vous refuseriez. En fin de compte, vous auriez envie d'être de nouveau avec quelqu'un? Évidemment, je peux pas nier qu'il y a certains aspects de la vie à deux qui me manquent énormément. Comme s'enlacer devant un bon feu de cheminée pendant les soirées d'hiver. Vous pourriez vous rabattre sur une couverture? Je pourrais, mais ce n'est quand même pas pareil. C'est sûr. Est-ce que vous seriez partante pour aller faire une balade au château de Schönbrunn? Je l'ai déjà visité avec les enfants. Vous n'y êtes pas allé de nuit? Dans ce cas, je vous suis. Alors après vous. C'est absolument renversant. Et de là-haut, c'est encore plus beau. Si on montait admirer la vue. Je ne suis pas sûre qu'on ait vraiment le droit. Vous en faites pas, je connais quelqu'un. J'aurais dû m'en douter. Vous allez voir. Je passe en dessous alors? D'accord. Merci beaucoup. Après vous. J'arrive pas à croire que ça ait fonctionné. Que voulez-vous? Je ne suis pas n'importe qui, moi. C'est ce que j'ai cru comprendre. Vous savez quoi? J'ai l'impression d'être une princesse en montant ici. C'est un rôle qui vous irait à ravir. C'est magnifique, non? Oui. Mon morceau préféré. M'accordez-vous cette danse? Il me semblait pourtant que vous n'aimiez pas du tout danser. Je n'aime pas danser, mais je ne devrais pas laisser ça m'arrêter, n'est-ce pas? De plus, on n'est pas censé danser sur un chant de Noël, mais je me suis dit qu'on pourrait peut-être... enfreindre les règles. Si vous insistez. Vraiment cet air. Oui, je l'adore. Comment ne pas aimer un chant sur le silence? Quand j'entends cette mélodie, je retrouve toutes les sensations que j'ai à chaque fois à la période de Noël. Je me sens à la maison, paisible, pleine de joie. C'est un moment parfait, comme si le temps était suspendu. Un moment parfait, qui le devient plus encore. Waouh, Jess, je suis très impressionnée. Merci. Je comptais attendre encore un peu avant de vous en parler, mais j'aimerais m'assurer que vous êtes la candidate idéale pour intégrer l'Orchestre Philharmonique de Vienne. Évidemment, la décision n'appartient pas à moi seule. Vous devrez passer une audition. Oui, bien sûr, je comprends tout à fait. Mais quand même, le Philharmonique de Vienne, c'est l'un des meilleurs orchestres au monde. Et quelque chose me dit que vous y avez parfaitement votre place. Bravo! Waouh! C'est ton premier morceau et tu joues déjà comme une virtuose. Tu te débrouilles tellement bien que tu pourrais le jouer pour le spectacle. Pour ça, bien sûr, il faudrait qu'on te trouve un violon à ta taille. Mais avant toute chose, qui a faim? Toi, sûrement. T'as tout le temps une faim de loup. C'est parce que nous sommes à Vienne. Alors, vous avez trouvé tout ce que vous vouliez?
Oui, il me manque encore quelques cadeaux, mais jusque-là, ça se passe plutôt bien. Tant mieux. Écoutez, Torine ne devrait pas tarder à arriver. Elle a prévu d'emmener les enfants faire de la luge, alors... Si vous avez encore des courses à faire, je pourrais vous montrer le marché de Noël de Karlsplatz. Il me semble que vous ne le connaissez pas encore. Oui, bien sûr, avec plaisir. Super. Le voilà, le fameux marché de Noël de Karlsplatz. Génial. C'est ici que les Viennois font leurs achats. Je donnerais cher pour pouvoir lire dans vos pensées. Je ne suis pas sûre que vous feriez là un bon investissement. Vous sous-évaluez. Je repensais seulement à notre discussion d'hier après la patinoire. Vous savez, à propos de la musique et de mon hésitation à tout arrêter. Je suis content de constater que vous envisagez de continuer. Je ne pensais pas que vous aviez une opinion sur le sujet. Je ne voulais pas me montrer impoli. C'est vrai, après tout. Vous avez travaillé dur pour en arriver là. Ce serait dommage d'abandonner. Oui, je sais bien. D'ailleurs, je n'arrête pas de me demander si je ne regretterai pas ma décision un jour. Alors, ce marché, vous le trouvez comment ? Ah, c'est adorable. J'adore l'idée de me sentir presque viennoise. Mais je dois vous avouer que je raffole aussi des attractions touristiques. C'est vrai ? Oui. Très bien, alors si c'est comme ça, laissez-moi vous faire découvrir le fleuron de l'industrie touristique de cette bonne ville de Vienne. Ah, j'ai hâte de voir ça. Vos désirs sont des ordres. Jingle bells ringing in my ear. Jingle bell, a sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town. Watch out for reindeers are falling down. Et là, c'est la Grande Roue du Prater, un monument mondialement connu. Elle a été construite en 1897. C'est l'une des plus anciennes au monde. Oh. C'est assez touristique pour vous? Oh, oui, c'est exactement tout ce que j'adore. Oh, j'arrive pas à croire qu'ils se remettent à neiger. Je vous avais dit que je connaissais quelqu'un de haut placé. C'est celui auquel je pense. Et comment? Cher ami, tout là-haut. Merci. À la vôtre. Et à votre tout premier Noël passé à Vienne. J'ai du mal à croire que cette roue tourne depuis plus de 100 ans. Les Viennois s'y connaissent en grande roue. Vous pensez revenir à Vienne un jour ? Je ne sais pas trop. Ça ne serait plus pareil. Ce séjour dans la capitale autrichienne aura été parfait en tout point. Ma douce nuit à moi, en quelque sorte. Dans ce cas, vous devriez peut-être rester. Vous aussi, vous devriez peut-être rester. Je crois que c'est généralement le moment où on doit... Je sais. Et j'en ai très envie, je vous assure. Mais vu les circonstances, les adieux seront encore plus difficiles. Vous allez partir. Mais imaginons que je reste. Imaginons. Simple théorie qu'entre-temps, j'ai trouvé un moyen de poser mes valises à Vienne. Vous serez peut-être déjà parti à Zurich, c'est... Hey, ah. Je n'ai pas encore pris de décision concernant ma promotion. Mais c'est comme pour vous et la musique. Avoir fait tous ces efforts pour... abandonner. Si près du but... Je risque de le regretter. Moi, je pense que... dans la vie, il y a certains regrets qui sont plus faciles à accepter que d'autres. Jess. Je sais que j'ai besoin de beaucoup de temps pour briser ma carapace. Mais je veux aimer de nouveau. Quand je suis avec vous, j'ai l'impression... qu'un jour, je serai prêt à revivre une relation. Un jour... Jess. Je crois que nous sommes arrivés. Je pourrais faire une boule à votre effigie. Surtout pas, vous feriez banqueroute. Hey, salut vous deux. Oh, bonjour. Salut. Bon. Je ferais mieux de retourner travailler. D'accord. À plus tard, maman. Au revoir, mon chéri. Ne me regarde pas comme ça. Quoi ? On a le droit de parler des heures de ma vie sentimentale, mais pas de la tienne ? Si, si, bien sûr, on peut toujours en parler, seulement je ne sais pas ce qu'il y a entre nous. Oh, si tu savais comme il me plaît. Et j'adore sa maman. Alors, il n'y a aucun doute, vous êtes fait l'un pour l'autre. Suzy, je vais prendre une pause, d'accord ? Oui, d'accord. On y va. Prends ton temps.
Je crois qu'elle a entendu tout ce que tu as dit. Je crois aussi. J'ai une super nouvelle à t'annoncer. Suzy va ouvrir un café et elle m'a proposé de devenir son associée. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'il y aura aussi une galerie où je vais pouvoir exposer mes toiles. Quoi? Tu dois être super contente. Je suis morte de trouille et en même temps surexcitée. En fait, ça tombe plutôt bien avec les enfants qui s'en vont. Oh, alors c'est sûr, ils vont partir. Je ne sais pas ce qui a été décidé, mais j'imagine qu'ils vont déménager. Eh bien, j'ai moi aussi une excellente nouvelle à t'annoncer. Marc, t'as encore envoyé balader? Non, c'est vrai? Oh, Jess, je suis désolée, je plaisantais à cause de la dernière fois. Non, t'inquiète pas, vraiment, ce n'est rien. Bon, alors raconte, c'est quoi cette nouvelle? Tu sais, Elena, la chef d'orchestre avec qui je travaille, elle m'a proposé d'auditionner pour entrer dans l'orchestre philharmonique de Vienne. Quoi? Rien n'est joué. Pour l'instant, il ne s'agit que d'une audition. Il y a très peu de chances que j'obtienne une place. Non, tu vas la voir. Et ce qui est formidable, c'est qu'on habitera dans la même ville. Oh, ça va être génial. Mais est-ce que tout ça a un rapport avec Marc? Non, non, aucun, je lui ai même pas dit. Pourquoi? Parce qu'il va partir. Et que même s'il restait, ça ne collerait pas entre nous. Excusez-moi, monsieur. Je rentre à l'instant de pause, il y avait un email de Zurich dans ma boîte. J'ai essayé de temporiser tant que j'ai pu, mais ils veulent une réponse aujourd'hui. Je vois. Très bien. Dites-leur que j'accepte. Très bien, les amis. Vous êtes prêts? Alors, depuis que je suis là, on a goûté tous les biscuits de Noël viennois qui existaient. Il y a eu les vanille, kepi, le... Vanille, kepi. Il y a eu les lep-coucou, machin chose. Les lep-coucou. Et on a mangé tout un tas d'autres trucs au nom imprononçable, mais vous savez ce qu'on n'a pas encore goûté? La Rolls-Royce des friandises de Noël. Ce sont mes biscuits préférés. J'ai nommé les bons vieux sablés traditionnels. Ça vous dit? Oui. Oui? Très bien. Julianne, toi, ta mission, c'est de peser. Summer, tu vas mélanger. Et moi, qu'est-ce que je fais? Toi, tu vas t'occuper du glaçage. Tu es d'accord? Super. Alors, pour commencer, il nous faut 200 grammes de farine. Et toi, Ella, tu vas casser les œufs. Il nous en faut 3, d'accord? Attention. Ah, tu casses encore un œuf. Mais attention. Il y a une coquille dans la pâte. Quoi? Oups. Ça va craquer. Les enfants, je vous laisse une seconde. Pensez à bien mélanger. Ça marche. D'accord. Il y a un problème? J'ai accepté le poste. Je voulais prévenir les enfants qu'on partait juste après Noël. Vraiment? Pourquoi vous avez l'air si surprise? Je n'en ai aucune idée. C'était une décision vraiment très difficile à prendre. Je sais que c'était un vrai dilemme. Mais vous avez choisi la solution de facilité. Comment ça? J'ai le sentiment que vous déménagez sans arrêt parce que c'est plus simple de croire que vous n'aurez jamais de foyer plutôt que d'en construire un et de vous rendre compte qu'il vous manque quelque chose. Comme si vous cherchiez à fuir. Vous parlez en connaissance de cause. Qu'est-ce que je suis censée comprendre? Vous, vous fuyez la musique? Quoi qu'elle représente à vos yeux? Je fuis, vous avez raison. Mais quand je suis ici avec vous et avec les enfants, je veux reprendre mon destin en main. Vous répétez toujours que, quand vous êtes avec moi, vous dites des choses que vous n'aviez jamais dites à personne. Vous savez quel est le mot pour ça? C'est la vulnérabilité. Marc, on ne peut pas connaître la chanson qui résonne dans votre cœur si vous ne laissez jamais personne l'entendre. Et vous ne croyez pas que vous devriez au moins consulter vos enfants avant de les obliger encore à déménager? On va encore déménager? Excusez-moi, je suis désolée, je ne voulais pas qu'ils l'apprennent comme ça. Je crois qu'il vaut mieux que je parte. Avant de commencer, j'aimerais vous dire combien je suis désolée. Je ne vous ai pas demandé si vous vouliez déménager. Aujourd'hui, je me rends compte que j'ai eu tort. C'est une décision qu'on doit prendre en famille. Hein? D'accord? Alors. Je veux rester à Vienne. Moi aussi. Moi aussi. Thank you.
Jess, dites-moi, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez l'air complètement ailleurs. Je sais, oui, je suis désolée. Je ne vous cache pas que je suis inquiète pour ce soir. Oh non, il n'y a aucune raison, ça va aller. Je suis simplement un peu distraite. Le conseil d'administration du Philharmonique de Vienne sera présent ce soir. Et je tiens absolument à ce qu'il vous voie donner le meilleur de vous-même. Parfait. Zéro pression. Tout le monde est prêt? Faut y aller maintenant! Et là, tu viens? Ah, parfait. Mais dites donc, vous êtes super beau! Mais attendez, partez pas maintenant! C'est de la part de Jess. Elle voulait que vous les ouvriez avant le spectacle. C'est un talisman d'amour exactement comme le sien. Oui, je vois. Et toi, t'as eu quoi? Qu'est-ce que c'est? De quoi me sentir enfin chez moi. Oh. Mais c'est quoi cet aigle? L'emblème d'une équipe de foot. Oh, alors Jess est une grande fan de football américain? Plutôt d'amande enrobée de chocolat. Qu'est-ce que tu as reçu, Ella? C'est un violon à la taille. Oh, super. Ella a eu un violon et toi seulement un crochet et une casquette. C'est bien plus qu'un crochet et une casquette. Bon, allez les enfants, cette fois il faut qu'on y aille. Il y a aussi un cadeau pour toi. Pour moi? Une couverture. Pour s'enlacer devant un feu de cheminée pendant les froides soirées d'hiver. Jess t'aurait parlé d'une éventuelle opportunité pour elle de rester à Vienne? Elle va passer une audition pour l'orchestre philharmonique. C'est vrai? Merci à tous de vous être joints à nous ce soir. Jess! Hey, coucou. Oh. Merci pour les cadeaux. Il n'y a pas de quoi, voyons, c'était avec grand plaisir. On ne déménage plus. Quoi? C'est génial. Oui, je suis trop contente. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à chanter devant tous ces gens. Summer, tu vas très bien t'en sortir. Ça va aller, ma chérie. Tu voudrais bien m'accompagner? Tu peux y arriver toute seule. Non, s'il te plaît, je veux que ce soit toi qui m'accompagne. Mais je ne sais pas sur quel arrangement d'Ave Maria tu as travaillé. J'ai décidé de ne plus chanter Ave Maria, maintenant je chante tous ces nuits. C'est vrai? Pourquoi? Mon petit doigt m'a dit que tu aimais ce morceau plus que tout. C'était moi, son petit doigt. Et aussi parce qu'aimer, c'est connaître la chanson qui résonne dans le cœur de l'autre. Et la lui chanter quand il en a le plus besoin. Oui, d'accord, tu as gagné. Je serai ravie de t'accompagner. T'es la meilleure. Il faut que je filme. Bien sûr, vas-y vite. Bonne chance, ma chérie. Je vois pas bien ici, je vois rien du tout. Viens avec moi, on va s'installer de l'autre côté. Alors comme ça, vous n'allez plus déménager? Non. Nous allons rester. J'avais peur. Mais c'est terminé maintenant. Je suis prêt. D'accord? En général, c'est là qu'on est censé s'embrasser. Jess, ça y est, ça va être vous. J'arrive. Vous pouvez me tenir ça une seconde? Oui, bien sûr. Merci. Jess? Oui. Bonne chance. Bonsoir à tous. Bonsoir, soyez les bienvenus parmi nous. Nous avons préparé un programme absolument extraordinaire, alors un grand merci à tous de vous être joints à nous le soir de Noël. Oh, et je tenais aussi particulièrement à remercier la ville de Vienne de m'avoir offert les vacances de Noël les plus féeriques de toute ma vie. Oui, on a raison de dire qu'il n'y a pas de plus beau Noël qu'un Noël passé à Vienne. Et ce n'est pas seulement grâce au marché de Noël, aux spécialités culinaires et à cette architecture renversante, mais aussi parce qu'au cours de ces deux semaines passées ici, j'ai pu apprendre ce qu'était le véritable message de Noël. Ce qui compte à Noël, c'est l'amour. Noël, comme la musique, comme l'amour, nous donne l'opportunité de vivre dans l'univers magique que nous nous sommes inventés et qui existe bien au-delà de notre réalité. Tâchons d'habiter cet univers plus souvent. Joyeux Noël à tous! Et maintenant, nous allons accueillir le tout premier membre de la chorale des enfants de Vienne qui chantera ce soir. Je vous demanderai d'applaudir comme il se doit Summer Olson qui va ouvrir le spectacle avec un chant viennois cher à nos cœurs. Allez, Summer!
Stille Nacht, heilige Nacht, alles lebt, einsam wacht, nur das traute, hochheilige Paar. Je vous contacte bientôt. Merci beaucoup. Vous avez été absolument extraordinaire. Merci. Tous les trois. Je ramène les enfants à la maison. Marc nous a dit qu'il voulait t'attendre. Tu sais où il est? Pas depuis qu'on est monté sur scène. Les enfants, vous dites au revoir à Jess. Au revoir. Les enfants. À demain, Jess. C'est Noël demain. Vous voilà. Me voilà. Vous avez été éblouissante. Merci beaucoup. Que cache ce sourire? Je me disais seulement que j'avais beaucoup de chance. Merci infiniment pour tout ceci. Et merci pour la couverture que vous m'avez offerte. C'est exactement ce qu'il me fallait. Même si je suis affreusement mal à l'aise de vous avoir offert une chaussette. Ce n'était pas... une simple chaussette. C'était... c'était le cadeau le plus parfait qui soit. Alors ça y est, c'est enfin le moment où l'on est censé...